بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد نجار اليوتيوب. دائما مع لي كور ديالكترونيك دو باز. اليوم غنشوفو لو شابيتر كونسيرنون لي ترانزيستور، اكزاكتومون لو ترانزيستور بي بولير اون ريجيم ستاتيك. في هاد لا فيديو غنشوفو دو بوان. لو بروميي بوان انتروديكسيون للترانزيستور، نوسيون ديال الترانزيستور، بوي كيلك جينيراليتي على لي ترانزيستور كون فا اوتيليزي ابخي. Donc, on commence par l'introduction, l'utilisation des transistors, introduction. Tout d'abord, c'est quoi un transistor? Un transistor, c'est un élément. Un transistor est un élément actif. يعني العكس ديال الباسيف هي ان اليمون اكتيف. انا لوبوزي ديال الباسيف، دونك كنعرفو بان كاين دي ديبول اكتيف و دي ديبول باسيف. هاد لو ترانزيستور الى 3 زاكسي، ا 3 زاكسي. هاد لي 3 زاكسي سون لا باز، دونك كونتر بارونتيز لا باز لي كنرمزو ليها بي. Le collecteur, C, et l'émetteur. L'émetteur, E. Donc, un élément actif, c'est un élément qui peut fournir de l'énergie au circuit. Au passif, un élément qui reçoit seulement de l'énergie. Voilà quelques images d'IL. Quelques transistors. Quand on a des transistors, on a trois accès. Trois accès. L'un représente la base. Là, par exemple, on a la base. Par exemple, on a l'émetteur. L'émetteur et le collecteur. On va voir si on a la base et le collecteur et l'émetteur. Donc la même chose ici. D'abord, on représente la base, le collecteur et l'émetteur. La question, c'est quoi l'utilisation? L'utilisation le transistor. Utilisation du transistor. Filmons qu'il y a le transistor. Souvent, on utilise le transistor comme amplificateur. Amplificateur soit dit tension, amplificateur tension, tension soit de courant ou l'amplificateur de la puissance. On peut utiliser les transistors comme source de courant électrique. L'ardobéna qu'on a sabiqan, c'est un élément actif. Donc, on peut l'utiliser comme source de courant électrique. On peut utiliser le transistor comme interrupteur commandé. Interrupteur commandé. L'interrupteur fait un interrupteur commandé par l'utilisateur. Et bien sûr, d'autres utilisations pour le transistor. Maintenant, on passe à la construction. Construction du transistor. Et le symbole, bien sûr, d'un transistor. Pour construire un transistor, on utilise souvent, on utilise un barreau de soit diel germanium ou silicium sur lequel on a créé trois zones. Voilà, on a l'image.
les zones, les quatre chevronnats, soit on a deux types de transistors, soit de type PNP, donc ici type PNP, PNP, ou là le type NPN. La couche mince au milieu, elle représente la base. On a l'émetteur. Et l'autre couche, c'est le collecteur. On a bien sûr la jonction P, c'est-à-dire positif. On a la même chose positif. On a N. Donc entre les deux cathodes, on a la jonction PN. Ici, la jonction NP. De même pour NPN, on a la base. Pour la couche mince, lesquelles on a le centre. Ici, le négatif, c'est le collecteur. On a l'émetteur qui porte des charges positives. Là, on parle, enfin, de côté, on parle de la jonction NP. Il y a la couche de la jonction. Là, la jonction PN. Plus simplement, le transistor. Le transistor est constitué de deux diodes, deux jonctions, des casements de jonction, montés, les deux diodes sont montés au sens inverse. Voilà, on a de l'image. Voilà, donc, les transistors, il est équivalent à le transistor, quand on a l'émetteur, on a le collecteur et la base. Là, les deux diodes sont montés au sens opposé. La même chose ici. La seule différence, là, on a le sens d'iel, les diodes, qui est différent. Fait le schéma, quand on a la jonction P, N, P. L'autre schéma, c'est la jonction N, P, N. Donc, souvent, on utilise le N, P, N, fait les transistors, on travaille avec toujours. Souvent, le type d'iel transistor. Maintenant, le schéma d'iel transistor, le schéma de transistor pour les deux types de jonction, notre transistor. Prenons la figure suivante. Voilà la figure qui représente les deux types d'iel transistor. On a toujours transistor de type PNP. On a le type NP. PN. Canal foad, l'émetteur par la flèche. Donc, on a l'émetteur toujours. On connaît l'émetteur par la flèche, l'existence de la flèche. On a l'abri de représenter le transistor par les deux diodes. Donc, entre C et B, qu'il y a une diode de check. Diode passante, le sens de C. C vers B. De l'autre, entre B et C, on a servi quand ils sont opposés, l'ardon, ils sont opposés, donc automatiquement, un coin de check. Voilà, Mokin relio entre les deux diodes. Le transistor, il est connu par le courant IC, qui est négatif. Le courant IE qui est négatif.
et IB qui est négatif. La tension entre B et E, VBE, qui est négatif, et la tension entre C et E, VCE, qui est négatif. Passons maintenant aux diodes, aux transistors de type NPN. Donc, la jonction, les diodes représentant le transistor. Donc, on a le sens opposé. Donc, on va checker. La première diode et la deuxième diode reconnaissable. Voilà. Le courant IB maintenant qui passe par la base IB est positif. Donc on fait le sens. IE, le courant et l'émetteur est positif. IC, il est positif. La tension entre le collecteur et l'émetteur VCE, elle est positive. Et la tension entre la base et l'émetteur VBE est positive. Pour le montage d'un transistor, on dit trois types de montage possibles. Montage, le premier montage émetteur coma ou le plus utilisé, dans ce type de montage, la base représente l'entrée. Le collecteur représente la sortie et l'émetteur et la pâte commune. L'autre type de montage, le deuxième type de montage, montage base commune, c'est un montage peu utilisé. Dans ce montage, on a la base et la pâte commune. L'émetteur qui représente l'entrée et le collecteur qui joue le rôle de sortie. Troisième type de montage, le dernier montage, le moins utilisé, montage collecteur commun. Donc le collecteur, qui joue le rôle de la pâte commune, la base liée à l'entrée du transistor ou l'émetteur les voies sorties. La vidéo prochaine, on va s'intéresser à le type de montage, les rois, le montage émetteur, comment on va voir plus d'informations à la le transistor. On se donne à cette vidéo, comme à vous, c'est Khalid Naji. Quand tu m'as partagé la vidéo, malazéra, dire comment tu as abonné à la chaîne Naji Khalid Science, c'est ce que je vous dis. Salam alaikum wa rahmatullah.